Salut à tous, c'est Culture Chronique. Donc aujourd'hui je vous ai fait une petite vidéo, c'est pour vous montrer comment avoir du Wi-Fi gratuitement, même si vous n'avez pas ou plus de forfait. Donc pour ça on va utiliser une application qui s'appelle Wi-Fi Map Password et qui est disponible sur Android, iOS et même PC. Donc le tutoriel se base sur la version Android, donc on va se rendre dans le Play Store et on va cliquer dans la barre de recherche Wi-Fi Map et après on va cliquer sur Wi-Fi Map Password gratuit. Donc une fois arrivé là, on clique sur télécharger, donc moi c'est déjà téléchargé, donc j'ai juste cliqué sur ouvrir. Et donc vous allez arriver sur l'interface de Wi-Fi Map. Donc vous voyez pas mal de points sur la carte en fait, et ça représente les points Wi-Fi sur lesquels vous pouvez vous connecter. Donc sachez qu'il y aura deux styles de points Wi-Fi, les points Wi-Fi où il n'y aura pas besoin de mot de passe, et les points Wi-Fi où il y aura besoin d'un mot de passe. Ceux où il n'y aura pas besoin de mot de passe, il suffira de cliquer et après de se connecter. Et ceux où il y aura besoin d'un mot de passe, le mot de passe sera affiché. Il y aura besoin juste de se connecter et ensuite de taper le mot de passe. Donc ça, c'est tous les points Wi-Fi qui sont partagés au sein de l'application par les particuliers, par exemple, par les cafés, les restaurants, et donc qui partagent leur mot de passe ou leur Wi-Fi gratuit. Donc par exemple, là, j'en vois un à côté. Je vais cliquer dessus. Donc Home Wi-Fi. Donc ça, c'est un Wi-Fi de particulier qui partage. Donc là, vous allez cliquer sur débloquer le mot de passe. Vous allez attendre un peu, ça va vous mettre une pub. Vous cliquez sur non directement. Et vous voyez Wi-Fi ouvert, pas de mot de passe requis. En fait, il n'y a plus qu'à cliquer pour se connecter directement dessus. Donc vous voyez, c'est une application bien sympathique. Donc bien sûr, si vous êtes paumé au milieu de la nature, vous ne risquez pas de trouver le mot de Wi-Fi, à mon avis. Mais par contre, si vous êtes au milieu de la population, dans une grande ville ou même une ville de taille réduite, vous arriverez à trouver du Wi-Fi. Donc là, je vais dézoomer un petit peu et on va aller sur Paris. Donc je vais vous montrer sur Paris, par exemple, tous les Wi-Fi qu'on va pouvoir trouver. Donc voilà, Paris, et on va rezoomer et vous allez voir que c'est une application qui est énormément utilisée en fait et qu'il y a beaucoup de personnes, de particuliers, par exemple, qui partagent leur Wi-Fi, qui laissent leur Wi-Fi ouvert, qui fournissent leur mot de passe, par exemple. Ou même qui fournissent une partie de leur connexion Wi-Fi sans mot de passe. Donc vous voyez, au plus on zoom, au plus, par exemple, quand il y a un chiffre 6, 8, ça va réduire, vous allez voir. Et après, vous allez voir exactement les icônes des endroits où il y a du Wi-Fi. En fait. Et donc vous pouvez même prévoir vos vacances à l'avance, vérifier là où il y a du Wi-Fi, etc. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me mettre un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Vous abonnez gratuitement à ma chaîne YouTube pour toujours plus de tutoriels, de vidéos, de bons plans et d'astuces. Me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou sur culturechronique.fr. Alors sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo.